Les élèves de série A sont également les bienvenus ici parce que les sciences ne concernent pas seulement les élèves qui sont en série B. Les sciences, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a eu différentes activités à Tapan, précisément au lycée d'Assablé. Et parmi ces activités, il y avait eu des stands de chimie, des stands de biochimie, des stands de biologie animale, des stands de biologie végétale, des stands de géologie, des stands de mathématiques, des stands de technologie, des énergies renouvelables, de physique, des stands consacrés au recyclage, à la programmation en informatique, et puis aussi des stands consacrés à l'orientation avec des psychologues spécialistes dans l'éducation. On parle du polymère de glucose, ça veut dire que les glucoses se sont alignés comme un fil comme ça. Ce qu'on voit, ce sont les objectifs. Et à chaque fois, on a mis la valeur du grossissement sur chaque objectif. Ce matin, j'ai vécu un moment exceptionnel. On nous a appris les robotiques, comment faire pour prendre les trucs avec les robots. Franchement, ça m'a touché. De ma part, c'est la première fois de faire ce genre de choses. On va passer la première fois. Et que c'est bien. Ça s'est passé bien. Le flac, ça va. C'est la partie que vous voyez ici. On va compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu la remise de prix aux meilleurs élèves de la région des savanes. L'objectif était de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Donc il faut les encourager. Et ça, je crois que c'est un plus que ça a apporté à la célébration de la Semaine africaine des sciences ici au Togo, parce que les enfants ont beaucoup aimé cela et puis on les a outillés pour pouvoir leur permettre d'aller mettre en pratique toutes ces formules, tous ces théorèmes qu'ils connaissent dans les matières scientifiques.